Le festival méditerranéen du court-métrage est un acquis pour le cinéma marocain et pour le pays. Moi, je le considère en parallèle à celui de Marrakech, le festival international de Marrakech, celui de Khouribga, le festival africain, et celui de Tétouan, le festival méditerranéen du long-métrage, parmi les festivals qui font bouger le cinéma marocain. C'est-à-dire, c'est là où le produit cinématographique marocain se confronte à d'autres expériences cinématographiques venant d'ailleurs. Et ils sont un acquis, il faut les encourager et les développer. Regardez par exemple ici, pendant le déroulement de ce festival, la présence des réalisateurs étrangers, leur rencontre avec les cinéastes marocains, les films venant de différentes cultures, de différentes façons de voir et de concevoir le cinéma et de traiter la narration cinématographique, ça ne peut être qu'une richesse. Même nous, en tant que jury, on apprend pas mal de choses, aussi bien sur la démarche cinématographique venant d'ailleurs, et aussi sur la culture d'autres pays, etc. Et c'est pour cela que moi je dis et je le redis toujours, c'est un festival qu'il faut encourager, qu'il faut développer, qu'il faut aider, parce que c'est une fenêtre par laquelle, à travers laquelle nous, cinéastes marocains, on a une vue sur ce qui se passe ailleurs dans le monde cinématographique méditerranéen, et aussi c'est une porte par laquelle cette expérience arrive jusqu'à nous.